Ils sont là. Bourville, tu nous laisses la place ? Je suis en train de le faire. J'essaie de faire monter le truc pour que le public vous accueille dignement. Voilà, j'arrête de faire mon truc télévisuel. Je compte sur vous. Maintenant, c'est la quincaille famille. Superman, il va revenir. Je me suis Superman. Ouais, c'est ça, ah, il y en a trois qui ont compris, d'accord. Ok. Alors, ce soir, c'est un concert très spécial parce que c'est grâce à vous qu'on va faire le concert. Je vais passer parmi vous. Je vais vous faire tirer des numéros. Les numéros vont correspondre à une chanson. D'accord. Ensuite, vous allez tourner la roue de l'infortune. Et la roue de l'infortune déterminera le style dans lequel le groupe devra jouer le morceau. Est-ce que vous avez suivi? Oui. Vous avez suivi? Alors, il y a plein d'autres surprises, il y a du karaoké, il y a plein de choses, vous pourrez venir chanter aussi avec nous. Pour le moment, le premier numéro qui a été tiré au sort, on va commencer tout de suite, c'est le numéro 5.
la numéro 5. La chanson numéro 5 a été tirée au sort. Et pour venir tourner la roue de l'infortune, je vais vous demander d'applaudir très très fort Frédéric qui me rejoint la roue. Frédéric, il est là, il a le totem, il me rejoint. Voilà la belle roue. Alors là, moi je ne la vois pas, mais vous, vous la voyez, mais dessus il y a rock punk, il y a valse musette, il y a reggae ska, il y a musique du monde, il y a plein plein de trucs. Donc la chanson numéro 5 est forcément une chanson que vous connaissez des 50 dernières années, va être interprétée dans le style que Frédéric qui est ici. La roue est à toi Frédéric, je t'en prie, c'est parti. C'est toi qui inaugure ce concert pour la fête de la vie. Alors, valse musette. Tu me rends le totem Frédéric, on applaudit très fort Frédéric qui est notre cobaye du soir. Merci Frédéric. Donc je vais passer parmi vous avec ma petite trousse magique, vous allez tirer des numéros et vous allez venir tourner la roue. Donc la chanson numéro 5, à vous d'en retrouver le morceau, je vous demanderai à la fin du morceau, des fois c'est facile, des fois c'est pas facile, va être interprété par la Quincaillerie Family en valse musette. Alors libre à vous de danser hein, si vous voulez, hein, le valse musette ça se danse. Deux en général. Mais d'accord. Bon, la Quincaillerie Family on est prêts. Ils sont prêts. Je vous laisse avec eux. On applaudit très fort la Quincaillerie Family ce soir pour la fête de la soupe, merci. Voilà, voilà.
là, vous avez compris le truc. Tu connais la chanson, toi? Allez, dis-moi. Alors, attends, dis-le dans le micro. Le refrain, c'est quoi, la musique est bonne? C'est quoi le nom que t'as dit avant, le truc italien? La musique est bonne. Et le nom du chanteur? Goldman. Parce que la musique est bonne, elle l'a dit 20 fois. Goldman, c'est presque ça. Jean-Jacques Goldman, effectivement, la musique est bonne en version basse. Bon, vous avez vu, hein, c'est relativement facile comme jeu. En fait, c'est pas vraiment un jeu, c'est surtout un prétexte pour s'amuser. Donc n'hésitez pas à danser, n'hésitez pas à venir chanter, surtout avec nous, parce qu'on a des listes de chansons. Vous me demandez, je vous montre les chansons, vous avez envie de chanter, vous venez avec nous, on a les paroles écrites en très gros, pour ceux qui prétendent avoir oublié leurs lunettes. Alors le prochain morceau, c'est le numéro 22. Le numéro 22 a été tiré au sort. Et la personne donc qui a tiré au sort le numéro 22, qui a le totem dans son sac et qui me rejoint à la roue, on l'appelle très fort, c'est Rémi. C'est Rémi. Voilà Rémi. Alors, tu veux dire un truc, tu veux faire une annonce, t'as donné un prix avant. Bon, finalement, puis à débattre. D'accord, bah vous transmettez, nous on transmettra pas. Vas-y Rémi, c'est parti, la roue est à toi, sur quoi es-tu tombé? Ah, karaoké, comment te dire Rémi? Est-ce que tu connais la définition de karaoké? Allez, on applaudit, on l'encourage. Elle est sur la roue, il y a aussi le passe karaoké. J'avais pas le temps de vous expliquer. Et du coup, Rémi va interpréter la chanson numéro 20. Alors Rémi, tu t'as donné avant-hier, ne connais pas cette chanson. Non, je connais très mal. Tu connais un peu cette chanson? Très moyennement, donc soyez indulgents. Rémi va vous interpréter sa version de son karaoké. Je vous laisse tout à la voix de Rémi, c'est parti. Karaoké trop tôt, le problème c'est que personne n'aura tiré le numéro, tout le monde va avoir peur de tomber dessus. Alors c'est pas grave parce que j'avais déjà fait tirer un numéro d'avance, et c'est une jeune fille qui va me rejoindre, elle a tiré le numéro 1, la chanson numéro 1. Elle va me rejoindre, alors je la vois pas du tout parce qu'elle doit faire à peine un mètre, mais je vais l'appeler au micro, elle se va se reconnaître, c'est Zoé. Est-ce que Zoé peut me rejoindre? Elle est là, ça y est, elle arrive. On applaudit Zoé s'il vous plaît. Zoé qui a tiré le numéro 1. Allez, ma puce, c'est parti. C'est bon. Allez, non, tu peux retirer si tu veux. Allez. Ouais, c'est pas mal. T'es tombé sur quoi? Non, elle peut nous jouer. Elle sait pas lire en plus qu'elle me dit la dame.
Allez, vas-y, on commence. Peu croque. D'accord. On applaudit très fort Zoé, tu as quel âge, Zoé? Elle a 6 ans. On applaudit très fort Zoé, 6 ans. Tu as trouvé la chanson numéro 1 qui sera interprétée par la Gaga et Samy, donc en version peu croque. Charge à nous de la retrouver, de la reconnaître. On est prêts, la Gaga? On va en profiter grâce à vous, donc faites du bruit, dansez, amusez-vous, c'est vraiment le but de la soirée. Alors évidemment j'ai pas besoin de vous demander quel était le titre de la chanson précédente. Pardon, Danny Briand, la gueule. Ça n'est pas Danny Briand.
Non mais c'est pas ma faute, les enfants sont formidables, puisque je te dis, c'est mon côté Jacques Martin. Non, ce n'est pas Louane. Ce n'est pas Louane. Pardon ? Thierry Hazard. Thierry Hazard, il est vieil au fond. Il est vieil, ouais. Thierry Hazard, le jerk, évidemment. Alors la prochaine chanson qui a été tirée au sort, alors je répète très rapidement pour ceux qui viennent d'arriver, je vais tirer dans la foule des numéros qui correspondent à une chanson. Ensuite on va tourner. Pas mal. Et on vient de tourner la roue. Tirer dans la foule. Non, je tire pas dans la foule comme ça, c'est pas, on est pas aux États-Unis, j'ai pas de... Ah, j'ai un sujet, non, je vais arrêter de tout. Je ne vais pas parler de ça. On a dit qu'on parlait pas de la sexualité ce soir. Il y a une roue, la roue de l'infortune, elle détermine le style. Du coup, la chanson tirée au sort doit être jouée par la KKFB dans le style que la roue détermine. Donc ça peut être à peu près n'importe quoi, comme on vient d'entendre. La prochaine chanson, c'est la numéro 17. Non, j'aurais dit que c'est pas toi qui as tiré le numéro 17, je crois. Donc tu viendras me tripoter la roue plus tard. Alors merci pour le totem. Donc chaque candidat a un petit totem. Stéphane, qu'on peut applaudir très fort, qu'on n'a pas applaudi. Voilà, Stéphane. Voilà, il a tiré le numéro 17 et maintenant il va tourner la roue de la fortune. La roue est à toi, Stéphane, je t'en prie. C'est bien, je crois savoir sur quoi tu es tombé. Viens là, Loulou. Allez, viens, Loulou. On applaudit, Stéphane. Il est tombé sur karaoké. Eh, je précise, soit dit en passant, vous avez qu'une chance sur 10. Ça fait déjà deux fois en trois roues, quoi. Ça défie les lois de la probabilité. Quoi. C'est quand même cool parce que. Écoutez, je suis loin de la roue, je ne la touche pas. C'est alors... quand même cool parce que des fois ils veulent pas monter et là les gens sont hyper réceptifs ce soir. D'autant plus, c'est des vrais karaokés, c'est-à-dire que quand je suis dans la foule, vous venez me voir. Si vous avez envie de chanter. Si vous avez envie de chanter. Ta gueule, chante. Non, c'est une blague, je connais pas ça. Ta gueule, chante. Non, mais les gars, c'est bizarre, les mecs, ils ne connaissent jamais. Tu leur mets les Beatles, ils font, je ne sais pas. J'en ai entendu parler. Tu sais. Michel Sardou, tu sais. Je ne sais pas. Alors oui, donc il y a des vrais karaokés, vous venez me voir, j'ai une liste de chansons, vous la choisissez dedans, vous nous accompagnez, il y a déjà une petite liste d'attente, donc n'hésitez pas à venir me voir. Il y a déjà 5-6 chanteurs dans un herbe qui sont prêts à interpréter une chanson sur la plus belle place du monde. Est-ce que c'est vraiment la plus belle place du monde? Oui. La ligne qui vient. Vous, vous venez de Metz, c'est ça? Alors, si tu veux, j'aimerais bien. Mais tu connais jamais, mais connais pas le nom. Elle connaît pas le nom. Et bah, c'est un plaisir. C'est trop tard maintenant, t'as plus le choix. On a voulu prévoir Stéphane, accompagné par la KKFB Family, qui va nous interpréter la chanson numéro 17. À charge à vous de la reconnaître si vous la connaissez. Ainsi, c'est d'être détendu. Là, je ne garantis rien. Allez, la fiche. Thank you.
Bravo Stéphane. Alors je suis en direct du merchandising. J'aimerais bien une caméra sur moi pour que les gens voient le duplex. Je suis en direct du merchandising parce que j'ai pas le temps de revenir. Par contre on commence. Ouais, on est dans le merchandising, on a des badges à vendre, le prix est libre. Voilà, donc si vous voulez embellir vos vestes de beaux badges aux figures du groupe, n'hésitez pas. On va faire un vrai karaoké dans le sens où c'est pas quelqu'un qui est tombé dessus, c'est quelqu'un qui est volontaire. C'est quelqu'un qui est suicidaire. Voilà. Et je vais me dépêcher de les faire passer sur scène parce qu'en fait après, ce sera trop tard pour qu'ils chantent en français. Si tu vois ce que je veux dire. Bah, attends, non, parce que là, il faut que je fasse passer les gens là, parce que sinon, après ils seront à 12 grammes et demi, ce sera plus possible. Donc je vais appeler tout de suite Julien et Jérémy qui vont chanter sur Femmes Libérées. Julien et Jérémy, ils sont où? Julien et Jérémy, ils sont là? Ils s'en foutent. En fait, les mecs sont déjà trop bourrés, ils entendent plus rien. Les gars qui veulent chanter Femmes Libérées, ils sont où? Oh, les boulets. Voilà. Oh, les boulets, c'est pas vrai. J'en étais sûr. Là, moi, j'ai des idées. Hein. J'en étais sûr. Bon, bah tant pis, bah tiens, bah fais ton idée. Ok, tant Françoise, s'il te plaît, où es-tu? Alors si vous voulez chanter, n'oubliez pas de pas trop boire après. Parce que... Francesca, Françoise, si t'es parti, je suis pas contente. Elle est où? Il y a pas de Françoise, il y a pas de Julien, il y a pas de Jérémy, c'est bien, c'est bien. Il est bien ce concert. Maintenant. Françoise. 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 Mets-toi le cul, mets-toi le cul. Allez, accélère avec ta chaise blanche. Allez, hop, Françoise. N'avez-vous pas les handicapés, je vous donne. Mais elle est où? Elle est pas là, Françoise? Si elle est pas là, on a un numéro 14. Elle a choisi une chanson, là? Oui, d'accord, mais Françoise... Ah, c'est chiant parce que les gens, ils s'inscrivent et puis après, ils se barrent. Ok, bon, bah, je ne sais pas. Elle est pas là, on fait la chanson numéro 14. J'appelle Leïla, on applaudit Leïla à la roue. Leïla, rejoins-moi à la roue. On applaudit Leïla, ça aura à faire la chanson numéro 14. On fera un karaoké plus tard, quand ils auront des saoulés. Ou quand Catherine, ou je sais plus comment elle s'appelle, elle retrouve le chemin. Ouais, c'est moi, je m'appelle Johan. Pour chanter, il faut aller voir lui, s'inscrire. On va s'inscrire. Tranquille, quoi. Il attend 2 minutes. Alors, Leïla, elle est où, Leïla? Ah, on est pour la presse, mais on va aller le voir. Je me donne le totem, merci. Hein. Je récupère le totem de divinité. Seule la personne qui a le totem a le droit de tourner la roue. Leïla, la roue est à toi. Je t'en prie, c'est parti. Alors attends, je vais légèrement desserrer derrière. Vas-y, normalement, elle devrait tourner bien mieux que tout à l'heure. Oh, alors, comment? Scarigué. Alors la chanson numéro 14, en Scarigué, on applaudit très fort. Leïla, s'il vous plaît. Voilà, qui nous sauve des karaokés foireux. Ah si, venez-moi. Je dis ce que je veux, j'ai un micro, je dis ce que je veux. La chanson numéro 14 en Scarigué. Alors là, ils sont en train de réfléchir, les mecs, comment on va la faire. Alors là, c'est là, je suis censé raconter des vannes. Mais là, pour le coup, je n'en ai aucune. Il y a Leïla qui est là. Il y a qui là. On est prêts? Merci. Chanson numéro 14, en Scarigué, à vous de retrouver le morceau. C'est du Scarigué, donc faites ce que vous voulez, hein, ça se danse pas, normalement ça s'écoute en fumant de la drogue. Donc, On est prêts, la Cagay Family? Allez, la chanson numéro 14 en Scarigué, on fait du bruit, on se dit. Thank you.
merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, quoi, Christian? J'attends quoi? Vous connaissez, attends, bah, le temps qui se prépare, je vous raconte. Vous savez ce que dit un rasta qui écoute du reggae alors qu'il n'a pas fumé de joint? C'est quoi cette musique de merde? C'est quoi cette musique de merde? Il y a des gens qui vont pas croire qu'ils écoutent du reggae le matin en réveil. Quoi. Chanteuse de son quartier. T'es toute choupette comme ça, toi. Ouais, elles vont discuter entre elles. Hein. Pendant ce temps-là, là, je vais peut-être vous causer. Alors, à la guitare, c'est Laurent Recher, on l'appelle très fort. Vous ferez le tour des autres après. Donc, karaoké, Lorena. Lorena. Oui, Lorena. Lorena. Lorena veut chanter. Lorena, elle est où, Lorena? Laissez-moi vous présenter Lorena. Elle est où? J'espère qu'elle est là, celle-là. Un jour, une demoiselle est venue dans mon cours. Je donne des cours à tout depuis bien longtemps maintenant. Elle arrive. Elle est arrivée. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a chanté. Elle a et elle doit vous chanter un truc. Voilà. Elle s'appelle Lorena, messieurs, dames. Pour vous ce soir. Attends.
Voilà, parce que le caca et Family, c'est aussi un peu n'importe quoi. Il y a des trucs qui n'étaient pas prévus. Et donc, l'Arena va chanter, mais elle va lui mettre la bonne page déjà, parce que, bon, bah, elle n'a pas révisé, visiblement. Je sais pas qui c'est sa prof de chant, mais. Ah, c'est toi, merci. C'est toi. Alors, vous pouvez trouver toute notre actualité sur Facebook, on peut le dire, on est pour la télé ensemble. Qui est la caca et Family, hein, on joue un petit peu partout. Alors si vous êtes chaud, on fait aussi les mariages, les thèses, les bar mitzvahs, les raclettes, les michoules, les raclettes, tout, n'importe quoi, on vient, du moment qu'il y a à boire, à manger, on vient, vous animez la soirée, aux petits oignons. Ça y est, tu trouves ta chanson, comment ça se passe? Je suis vraiment obligé de raconter une vanne de merde. Non, c'est toujours aux petits oignons ou on peut le faire ailleurs? Lorena pour vous, messieurs dames, encouragez-la parce que c'est sympa. Lorena avec la Gagai Family. Il y a plein de gens qui veulent chanter. C'est bien, c'est bien. Du coup, on va accueillir Yasser. On appelle très fort Yasser, s'il vous plaît, qui va venir jouer sur Satisfaction. Satisfaction. Sur Yasser, il est là où? Il est là. Il arrive. Il est à gauche, il est à droite, il est là. Il est devant. On encourage très fort Yasser, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui monteraient sur cette scène pour chanter. Je vous rappelle. Alors, Yasser, alors tu vois? On se voit tout à l'heure, le Stéphane, il est où Stéphane? Ouais, genre, je suis trop jeune pour connaître machin. Il va chanter Satisfaction.
Dans ta face. Dans ta face, Stéphane. Alors du coup, comme il y a beaucoup de gens qui veulent chanter ce soir, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent, on va mettre de la roue de côté un petit peu, et on va faire de la place Stanislas le plus grand karaoké du monde. T'en as pas peur. Au moins de Lorraine, quoi. Bon, c'est déjà bien. Alors du coup, j'ai plein de noms écrits sur une liste. Est-ce qu'il y a une Caroline qui veut chanter pour un flirt? Est-ce que Caroline est là? Avance-toi, Caroline. Il y a une main qui se lève. Est-ce que c'est la main de Caroline ou est-ce que c'est quelqu'un qui est perdu? Viens, alors, Caroline. Elle veut tester son déodorant. Ou elle a des champignons. Non, j'arrête. Tu as presque mérité tes ronds, toi, aussi. Caroline, elle est là? Alors, si, arrêtez de lever la main, les gars. Les mecs, il faut espérer lever la main. Ouais, moi. Ouais, mais t'as de la barbe, tu t'appelles pas Caroline. Caroline. Très bon, je passe à la prochaine personne. Audrey, qui veut chanter New York avec toi. Viens donc nous faire ton New York. C'est Audrey que je connais, bien sûr. On applaudit très fort Audrey, s'il vous plaît. Tu fais un bisou quand même. On la connaît très bien à la Quincaille Family parce qu'elle a fait des petits remplacements. Et ça s'est très très mal passé. J'en profite, mais les écoute pas ce que je dis. Non, non, c'est très bien passé. Audrey, tu es prête? Non. Non, elle n'est pas prête. D'accord. Bon, bah, je raconte un truc alors. Voilà. D'accord, c'est bien. C'est le moment où je raconte n'importe quoi. Tiens, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un trou de balle? Non. T'as pas de trou de balle?
Je ne pense pas. C'est sous ma gueule, madame. Mais ça commence bien. Bon, je vais demander à quelqu'un qui n'est pas handicapé. Madame, est-ce que vous avez un trouble? C'est à toi qui parle. Oui, c'est à vous que je parle. Les gens, ils détournent le regard comme ça. J'arrive pas plus. Si je détourne le regard, il ne voit plus, madame. C'est vous. Non, je vous vois, madame. C'est bon, je peux arrêter avec ma femme de faire. Je vous dirai la suite tout à l'heure. Elle reprend moi, j'en ai un. Les habitudes. On encourage très fort Audrey. Accompagner la cacaille féminine ce soir. Qui va vous interpréter New York avec toi. Comment vous le savez, on peut vas-y. Et la Kirkaï Family Plastanistas pour la fête de la soupe. Sous les marches. Pour l'instant, on n'a pas joué trop de soupe. Si je puis dire. Pardon. Excusez-moi. Pourtant, je l'avais préparé. Ça va venir. Puis c'est beaucoup de karaoké. Voilà, il m'a mis carrément la voix de supermarché là. Hein. Alors, si. J'ai l'impression de vendre une saucisse en. Vendre. Vendre une saucisse. Pardon.